Hey! Vous allez bien? Bon, bah, puisque vous êtes là, je vais pouvoir ramasser mes fiches et vous parler de quelque chose d'assez sympa. Une seconde. Oh, c'est parti. Bref, je vais vous raconter un témoignage qui m'a vraiment choqué. Je dis choqué parce que ça peut vraiment toucher toutes les personnes. Vous, moi, n'importe qui, ça peut arriver. Et on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors bien sûr, on reste dans le domaine du paranormal et des événements particuliers. Bon alors, il s'agit d'un témoignage d'une jeune fille. Je ne vais pas citer le nom, on va l'appeler Zara. J'ai le témoignage sous les yeux. Je vais vous lire le début. Bonjour. Je vais peut-être pas tout vous lire. Bref, je reprends l'histoire. Zara a 13 ans et a récemment obtenu un téléphone de la part de ses parents. Zara ne croit pas du tout au paranormal, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais elle raconte qu'elle est devenue vraiment accro à tout ce qui est réseau social. Celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est TikTok. Bon, je pense que vous connaissez tous, pas la peine de préciser. Bon, allez, d'accord. Petite traduction Google. TikTok, aussi appelé Douyin, est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social lancée en septembre 2016. Elle est développée par l'entreprise chinoise ByteDance. Son logo évoque une note de musique. Walou les potos. Voilà. Maintenant vous connaissez. Je vais vous lire une partie de son témoignage. Un matin, alors que je venais de m'habiller, prête pour aller en cours, une amie m'a envoyé un message me disant que nous commencions à 9h au lieu de 7h55. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Alors j'en ai profité pour faire un TikTok. Quoi de plus normal un matin de faire un TikTok? Moi, tous les matins, je fais un TikTok, je fais un Snapchat, je fais tout. Et puis je bois un café après. Bref, elle fait un TikTok, entre guillemets, Tripalowski, peut-être que vous connaissez, et elle l'a posté. Bref, la journée de son cours passe. Donc le soir, elle rentre chez elle et elle consulte son portable. Elle dit, le soir, quand je suis rentré du collège, oui, le collège, j'ai vu que j'avais reçu plein de commentaires sur mon dernier TikTok ce matin. Alors j'ai posé mon sac à côté de mon bureau. J'aime bien les petites précisions, ça met dans l'ambiance, c'est sympa. J'ai lancé TikTok et je regarde les commentaires. En majuscule, au moins une centaine de commentaires. Trois petits points d'exclamation. C'est alors que j'ai lu les commentaires et tout me disait la même chose, entre guillemets. C'est quoi l'ombre qui est passée sur ta porte? Zara a regardé à nouveau la vidéo. Elle dit, je suis restée paralysée de peur. Sur mon TikTok, on voit une ombre passer. Mais on ne la voit qu'une fois. Elle explique également que personne n'est chez elle ce matin-là. Ses parents ne sont pas là, sont déjà partis au travail. Sa sœur, qui est au lycée, n'est pas là la semaine. Elle essaye de trouver le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'elle puisse avoir une ombre directement dans sa chambre et surtout dans la direction de sa porte. Mais elle ne trouve aucune explication à ce phénomène. Dans sa panique, elle laisse ce témoignage sur le site que j'ai pu recueillir et vous lire aujourd'hui. Pour ma part, ça fait plutôt froid dans le dos. En tout cas, si vous avez entendu parler, voire même vécu des phénomènes de ce genre vous-même, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo. D'une part, ça nous fait plaisir de pouvoir les lire et de vous répondre, mais également, ça permet de partager certaines informations qui parfois restent confidentielles. C'est bien, pour le savoir de tout le monde, de les divulguer. Et je pense réellement que ce genre de phénomène doit nous arriver beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. En effet, ce genre de phénomène se multiplie face à l'arrivée massive des réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit témoignage. Et en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.